Je saisis donc ce moment pour souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité. L'organisation de ces assises, pour la première fois à la République démocratique du Congo depuis notre adhésion au CAMES en avril 2011, est une fierté nationale et surtout un témoignage d'engagement pour mon pays à contribuer à la promotion du devenir radieux de notre organisation intergouvernementale. Le comité des experts du Conseil des ministres constitue une assise essentielle dans le dispositif de prise de décision de notre institution commune. À ce propos, il revêt pour nous une importance capitale, car à l'image de l'ordre du jour qui est soumis à votre adoption, il devra statuer sur des questions fondamentales visant la bonne marche de l'institution, tant sur le plan académique, administratif que financier. Ainsi, vous aurez entre autres à examiner les rapports d'activité et financiers 2021 du secrétariat général du CAMES, apprécier la mise en œuvre des résolutions et recommandations des précédentes sessions du Conseil des ministres, prendre connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice 2021, examiner le projet de budget 2023 du secrétariat général du CAMES, examiner les points soumis à votre attention pour avis, décision et recommandations.